Bonjour et bienvenue dans ce résumé de la manche 2 de la Petite Ligue GeoGuessr édition novembre-décembre 2020. On est là pour voir ma prestation sur cette nouvelle carte. Pour cette manche, on part sur un Urban France, une carte qui se veut urbaine, donc concentrée là où il y a des villes et de la ville et beaucoup de la ville. Ça a l'avantage d'éviter de tomber au milieu des champs. Par contre, si on tombe sur les grandes villes, le problème c'est qu'une grande ville, c'est grand. Pour rappel, suite à la manche 1, j'étais 8e avec 8 points. Là, l'objectif, c'est de faire un maximum de points pour remonter dans le classement. Est-ce que je vais y arriver? On va voir ça tout de suite. Bonne chance à moi! Avenue du Flou, ouais. Ah, bah ok, je peux pas aller par là-bas. Les deux rives, centre commercial et deux rives. Police, Park City, parking relais des deux rives. Hop. Alors, on est où exactement? En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a aucun panneau de nom de rue ni rien. Ce qui est quand même plutôt inhabituel. 5 piquets. Ok. Mais il n'y a vraiment pas de nom. Oh, ah, c'est horrible. Mais elle est horrible cette carte. Et si je joue à fond, il n'y aura pas le CIC. CIC. Hop. Parce que là, on a la dire est. CIC, bah, on doit être là, je pense. Hein. En tout cas, ça y ressemble. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on voit? Par là, c'est Apart City. Non mais il y a une CIC là. Les noms correspondent 3 mètres. Ok. Le joueur en tête a obtenu 5000 points durant cette manche. Ok. Allez, round 2. Et bon, ça a été plutôt facile. Rue de la Bassée. Lille. Par la M750. Alors, ah ouais, mais alors les M750, l'Aume c'est là, l'Ambestat c'est là. Ok, attendez, parce que là, la 750, quelque chose me dit qu'avant c'était à départementale 750. Il y a 751 qui passe là. Vauban, Bois Blanc, ok. Rue de la Bassée, c'est là. AXA, Patrice d'Arras. On était là. On était là. Ouais. Tout petit peu plus par là. 7 mètres. Allez, 5000 points. Rancio. Ça se déroule mieux que je ne le pensais. Là, faut localiser la ville à tout prix. Ah, du goudron. En du goudron, ça veut dire une route plus fréquentée. Qui dit route plus fréquentée? 10 meilleurs panneaux. Je reconnais pas ce blason. Donc là, on est avenue de la République. Des panneaux là-bas. Vite. C'est moi, c'est monsieur.
Mais toute direction. Non, mais c'est une spéciale toute direction ou Toulon plage? Toulon. Mais. Beaucoup de toute direction quand même. Footlocker. New look. Rue Hoche. Est-ce que je peux con. Étame lingerie. Étame lingerie. Ah oui, je suis à peu près sûr que je suis là. J'aimerais juste le confirmer. Plutôt par là. Je pense qu'on va être par là. 3 mètres. Oh là là là. Oh. 15 000. Alors, bon là au moins c'est pas un centre-ville. Ce truc-là, il a l'air grand. Parc Bordelais. Bordeaux. Le parc Bordelais à Bordeaux. Avenue Carnot. Parc Bordelais. Avenue Carnot. Ah oh oui, bon, on est là. Hein. Enfin. On est là, oui. Et maintenant, le point de départ, il est où? Et en face, le trou, il est là. Le trou, il est là. Je dois être là. 3 mètres. Dernier round. Et pour l'instant, ça se passe incroyablement bien. Hein. Qui y va? Non, c'est bon. Il m'a fait peur. Construit. Institut des ressources. Arrondissement. Donc, soit on est à Lyon, soit on est à Marseille. Le tram. Parce que tous les deux sont en 04, si j'ai pas de bêtises. Tram va m'aider. Ça, c'est du Lyon. Très bien. Ah, mais j'arrive pas à lire le numéro de l'arrondissement. C'est 8e, ça? C'est un 8? Avenue du Général Frère. Alors, partons du fait que c'est un 8e. De toute façon, on a vu qu'il y avait le tram. Lycée Lumière, non, non. Grange Blanche. La blanche est là. Oui, la rouge. J'ai pas la bonne couleur. Non, je peux pas perdre sur ça. Je peux pas. Je sais que je suis pas loin. C'est sûr. Maison de la danse. Je l'ai vu la danse. Général Frère. Avenue des Frères Lumière, mais c'est pas le général. Cours. Oh là 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 là. Non. Mais non, je vais pas perdre sur ça. Grange Blanche. 1,5 km. Non! Aïe aïe aïe. Ah mais oui, il est là, l'avenue Général Frère. Ah, je l'avais pas vu. Et donc du coup, on arrivait sur ce. Ah oui, mais voilà, elle est là, la Grange Rouge. Ah, j'avais pas vu. Bon. Du côté du classement pour cette manche, à noter les excellentes performances de Dr Alambic, qui a changé de pseudo depuis la semaine dernière, et de Eliana, qui ont tous les deux fait 25 000 points.
savoir que sur cette manche, ça s'est globalement très bien passé pour les gens, puisque les 10 premiers sont dans un mouchoir de poche. Il n'y a que 61 points d'écart entre le premier et le 10e. C'était très très serré sur cette manche. C'est ainsi que Dr. Alambic et Lianar gagnent 15 points, DL21 13 points, Revenure suit juste derrière avec 12 points, Babatoubi 11 points, et quant à moi, je finis avec 7 pauvres petits points alors que j'ai juste monté mon dernier round. Au niveau du classement général, Dr. Alambic toujours en tête avec 30 points, DL21 juste derrière avec 28 points, et Lianar gagne une place dans le classement avec 27 points, Revenure gagne également une place et passe à 24 points, Blasia est maintenant 5e avec 21 points, Azerty qui a fini 12e de cette manche s'écroule en 6e position. Quant à moi, je gagne une petite place avec 16 points. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la manche 3.